Excellences, Monsieur le Président, Docteur Assoua Adou, secrétaire général de l'UFEIA, Honorable Georges Armand-Foyer, Président de l'Assemblée de la démocratie et la souveraineté, EDS, Mesdames et Messieurs, Honorables membres de la direction du parti, Mesdames, mes chères épouses des détenus d'opinion et des détenus politiques, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités respectives, avant toute chose, nous confions cette cérémonie de ce jour au Tout-Puissant, au Dieu Créateur, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Excellence, Monsieur le Président, il vous a plu de faire appel aux épouses des détenus depuis les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2011. Cette visite intervient au moment où vous avez exprimé vous avez donc souhaité rencontrer les épouses de ces malheureux fils de la Côte d'Ivoire qui sont encore dans les protections. Monsieur le Président, vous avez ici ces femmes qui ont répondu massivement à votre appel. Elles sont encadrées par trois associations. Il s'agit du collectif des femmes, des parents, des détenus politiques, en abrégé COFEP, dirigé par Mme Simone Daté, ici présente. Il s'agit aussi de l'ARDOCI, Association des femmes des détenues d'opinion en Côte d'Ivoire, dirigée par Mme Désirée Douati, qui a eu quelques empêchements. Et il y a les femmes regroupées au sein du GPS, dont les maris sont aussi détenus, qui sont dans cette salle. Cette structure est dirigée par Mme Anne-Marie Polifon, qui est la coordinatrice nationale du GPS. Voici dans cette salle une dame très respectée du PDCI, RDA, dont le mari est actuellement détenu. Voici, Monsieur le Président, les femmes qui ont répondu ce matin à votre invitation. Mais je m'en voudrais de ne pas présenter une autre catégorie de personnalités qui travaillent chaque avec cette association. Il s'agit de nos valeureux avocats. Ils sont ici, conduits par leur doyen, Maître Dirabou. Je voudrais vous saluer. À côté de lui, Maître Aubry Félix. Derrière, il s'agit de Maître Dako Toussaint. Et Maître Agathe Bama. Je précise ici que Maître Agathe Barouan faisait partie de l'équipe de défense du président Laurent Gbagbo devant la CPI. Et enfin, juste à côté de Maître Beaubré Félix, c'est Maître Blédé. Excellent, Monsieur le Président, voici donc les différentes personnalités qui ont accepté de répondre avec joie et ferveur à votre invitation.
Je voudrais donc énoncer le déroulé de cette cérémonie. Tout à l'heure, le docteur Assoua Diouf, secrétaire général du Front populaire ivoirien, proche collaborateur du président Laurent Gbagbo, prendra la parole pour situer un peu le cadre de cette cérémonie. Juste après lui, nous allons enregistrer deux interventions. La première sera faite par Madame Georgette de Gobé, l'épouse du général. La seconde intervention sera faite par Madame Dosso Seydou, qui est également épouse d'un détenu au niveau donc du GPS. Juste après ces deux interventions, nous allons écouter l'adresse de Son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Sans plus tarder, je voudrais inviter à ce pupitre le docteur Assoua Diouf pour son mot d'introduction. Excellence, Monsieur le Président, nous allons appeler Madame Georgette de Gobré pour son intervention.
président de grand patron. Mesdames, les épouses et présidents, les parents, excusez-moi, j'ai été venu politique et militaire de la crise post-électorale de 2011. Honorable personnalité présente, mon beau rang, grade et qualité. Au nom du collectif des femmes et parents des détenus politiques de la crise électorale riche, je voudrais d'emblée solliciter votre clémence pour l'émotion qui m'étreint en cette journée solennelle de ce lundi 2 août 2021 et qui va se ressentir dans la tonalité de mon discours. Pour l'importance singulière que revêt ce jour et qui restera gravée de marbre dans les mémoires collectives des épouses et détenues politiques et militaires ici dans cette invitation. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, le prophète voudrait traduire toute la grande joie qu'il ressent pour votre accueillement et pour votre retour triomphal en Côte d'Ivoire aux côtés de votre peuple. Monsieur le Président, depuis ce jour sombre du 11 avril 2011, Monsieur le Président, depuis ce jour sombre du 11 avril 2011, mais de votre déportation à la haie, le 29 novembre 2011, après 8 mois de détention au secret à Korogo, vos collaborateurs civils et militaires ont subi le martyre de la détention arbitraire. Ces arrestations et ces détentions émaillées de toutes les pires formes de maltraitance qui ont été l'objet de la création du prophète que vous recevez aujourd'hui, dirigé par Madame Lacrissimone. Monsieur le Président, le prophète vous exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance pour ce que vous faites et pour ce que vous allez entreprendre en faveur de nos époux et de nos parents encore détenus. Car au-delà de la simple réception, votre initiative constitue un acte de réconfort sans précédent pour nous les épouses et parents qui subissent au quotidien depuis 10 ans toutes les tortures morales et psychologiques. La rencontre historique du 27 juillet 2021 avec le président Alassane Ouattara est une grande lueur d'espoir pour nous. Monsieur le Président, permettez-moi qu'à ce stade de mon propos, le prophète demande d'observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, en prison et en exil. Je vous remercie. Chère assistance, permettez-moi également de parler des bêtises, car Monsieur le Président Laurent Gbagbo est ici. Et chez les bêtises, la prison est appelée, excusez-moi le mot, la prison est appelée mini-lita, ce qui veut dire maison de péché. Et quand une personne sort de là, elle doit se laver, se purifier. On lui porte même un coq pour mettre la salive sur son front. Et tout cela participe à la purification, car nous venons tous de quelque part et nous avons nos yeux sur le monture. Et Dieu qui est le plus grand purificateur fait le reste. C'est en cela que nous offrons à Monsieur le Président la modique somme de 50 000 francs pour participer à sa purification. Merci à vous, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire depuis votre retour. Et que Dieu, dans sa miséricorde, vous accorde une assistance sans faille dans l'accomplissement de votre noble mission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les parents des détenus politiques, civils et militaires. Je vous remercie.
savais qu'il allait arriver. Merci. Merci, Madame Georgette de Bourguet, pour votre intervention. Tout à l'heure, vous remettrez au protocole une copie de votre intervention. Monsieur le Président, nous allons écouter à présent Madame Dosso Seydou, qui parlera de notre femme du directeur de son détenu. Monsieur le Président, par ma voix, au nom des autres femmes des détenues qui sont toujours à la marque, nous, Monsieur le Président, par ma voix, nous vous demandons, par contre, de plaider que vous déclarez que nos maris soient enfin libérés, Monsieur le Président. Vraiment, moi et mes soeurs ici présentes, nous souffrons, Monsieur le Président. Une intervention chargée d'émotion qui traduit bien malheureusement la réalité que vivent à la fois les détenus et leurs enfants, y compris les enfants. C'est de ça que le président parle et qu'il a parlé le 27 juillet dernier avec le chef de l'État, pour qu'enfin une solution soit trouvée pour soulager les familles en paix. Excellent Monsieur le Président, vous avez entendu, vous avez écouté le cri de cœur de toutes les femmes que vous avez appelées ce matin ici. Vous avez entendu, elles sont à l'écoute de vos paroles qui rassurent, de vos paroles qui guérissent. Excellence Monsieur le Président, vous avez la parole. Chers maîtres, on va appeler tous les avocats, parce que tous les avocats ont été aussi les avocats. Donc, vous êtes en train de le voir à Porogo. Et après Porogo, Agathe a été coopté
à l'équipe qui m'a défendu pendant ces 10 ans à La Haye. Je les connais tous. Donc, chers maîtres, je vous remercie de votre présence. Camarades dirigeants du parti et du militant de tous les partis, cette assemblée est comme je l'ai souhaité. C'est-à-dire que en prison, il n'y a pas de catégorie. En prison, il n'y a pas de parti politique. On est tous soumis au même problème. Moi, je crois que la place de nos politiques n'est pas en prison. Quand on regarde les pays développés, les hommes politiques ne sont pas plus vertueux qu'en Afrique. Mais c'est en Afrique qu'on met les hommes politiques en prison, toujours. Alors qu'en Europe, il y en a même des célèbres qui sont devant les tribunaux, qui sont prêts à venir mettre les hommes politiques africains en prison. Mais eux, ils vont de sursis en sursis. Parce que les Européens respectent leurs dirigeants. Je vous salue, mesdames. Je vous salue, mesdames. J'ai voulu aller rendre visite à vos maris, à tous vos maris. Le ministre de la Justice a répondu que ce n'était pas possible. C'est pourquoi je vous appelle ici en nom de consolation pour essayer de vous consoler. Sinon, on connaît la solution à vos problèmes, c'est la libération de vos époux. C'est la seule solution. Donc, quand l'occasion m'a été donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème. La libération des époux. La libération de tout. Il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui. Non, mais il ne m'a pas dit non parce qu'il a dit qu'il allait étudier. Et que pour le moment, il était en train d'étudier le cas de ceux qui avaient été arrêtés au moment des élections de 2020. Bon.
Je pense que vous savez peut-être l'indépendance qui arrive dans quelques jours, ce serait peut-être trop tôt, mais il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. La réponse qui m'a été faite, et je vous la transmets telle qu'elle. On est obligé de s'approcher à cette réponse. Et de prier pour que nos frères, nos amis, nos camarades, nos époux, soit libéré. Et je le fais le temps plus volontairement que je connais la prison. Moi, j'ai été à la CPI, mais la singularité de la CPI, c'est que ce n'est pas dans le pays, et que ce n'est même pas sur le continent africain. Loin, mais sinon la prison, je connais la prison. Depuis longtemps, je vais en prison. Depuis longtemps, je vais en prison. Je me souviens même des réunions que je faisais en prison avec Assoir et tout, en 1969. Pardon, je connais la prison. Mais c'est le prix à payer. En Afrique, quand tu n'es pas issu de la classe dirigeante et que tu fais la politique, on t'arrête. Or, moi, je ne suis pas issu de la classe dirigeante. Je me suis battu pour arriver là où je suis arrivé. Ça veut dire que j'ai heurté plusieurs fois la tranquillité de ceux qui dirigeaient. Je les ai dérangés plusieurs fois. Mais je pense aussi, et ça je l'ai écrit plusieurs fois, qu'un pays où le droit de déranger les gouvernants n'est pas reconnu aux citoyens, un tel pays ne survivra pas. Un pays où la liberté de déranger n'est pas reconnue, ce pays-là ne se développe pas. Donc, il faut. Moi, j'ai été président de ce pays pendant 10 ans. Citez-moi un seul homme politique que je vais mettre en prison pendant les 10 ans. La voie de notre développement se trouve là, dans la liberté que les gens ont de s'opposer. C'est ça. Les gens ont la liberté de s'opposer à une politique. Et quand on ne leur reconnaît pas cette liberté,
n'y a pas de développement. Hein? Ton adversaire peut te critiquer, mais tu dois puiser dans ses critiques des idées pour conduire ton action politique. Mais si tu es frileux et que tu n'acceptes pas ton critique, je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Donc, moi, j'ai été dit ça ici. Vous tous vous savez ça. Je n'ai pas de critique. En fait, pas d'homme politique. La police a continué à agir sur eux. Les voleurs, les assassins, les mauvais chauffeurs. Ça ne relève pas du chef de l'État. Ça ne relève pas des décisions politiques. Mais aucun de mes adversaires politiques n'a connu la plus. N'a connu l'arrestation. Il y en a même qui ont été avec moi, puis contre moi, puis de nouveau avec moi. Il faut que les Ivoiriens le rendent compte.
le seul pays où les Ivoiriens doivent vivre, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que celui qui veut aller vivre en Australie, aux États-Unis, en France, celui qui veut aller vivre au Burkina, il peut. Mais il ne faut pas qu'il y soit contraint. Il ne faut pas qu'il y soit parce qu'il a fui son pays. Il ne faut pas qu'il y soit parce qu'on le réserve dans son pays. C'est ça. Moi, je regarde devant moi, je vois des épouses d'officiers généraux, je vois parmi les personnes que je reconnais des épouses de militants. Et je trouve ça, je trouve l'image mauvaise pour mon pays. Je trouve l'image mauvaise pour mon pays. Mais surtout, je trouve les mesures inappropriées. Inappropriées. Je pense que on devrait faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire ne pas arrêter les gens qui n'ont pas la même opinion. Ne pas arrêter les gens qui n'ont pas la même opinion. Mais je vais vous dire une chose. J'avais fait, on m'avait demandé de faire un gouvernement, pas que partir. Un gouvernement d'affaires. On m'avait demandé de faire chez nous à Gagnon du Pâle. Un gouvernement d'affaires. Donc j'avais fait un gouvernement d'affaires. Et dedans, il y a un ministre dont je n'ai pas dit le nom. Qui, chaque fois que je venais en conseil de ministre, il me savait, monsieur le président, il mettait carrément la figure presque à terre. Il me savait. Mais je le suivais. Parce que je le connaissais. Nous faisions le conseil des ministres. Chaque jeudi. Donc, il partait dans sa région d'origine et il m'a lui-même. Il m'a lui-même dans la médecine. Ma peau est mauvaise. Il vaut rien. Bon, il m'attaquait. Quand je reviens, il vient me saluer. La tête en bas. Et puis, plus grave, comme on faisait le conseil des ministres de jeudi, la veille du week-end, et le week-end commence ici, on va faire plus l'après-midi, on va le soir. Oui, monsieur le président, je dois aller chez moi, je viens un peu dans ça parce que il faut que. J'ai dit aux gens, donnez-lui 2 millions. Il passe, il s'en va, il m'a dit. Thank you.
Je ne l'ai jamais arrêté, mais est-ce à faire une tête? Tous les génies qui venaient me donner la bouche pour aller m'allumer. Un jour, c'est lui-même qui est venu. Pendant que je le saluais, et puis j'ai mis la veille. Il dit, mais pourquoi tu dis? Il dit, non, allez, je sais ce que vous pensez quand vous me regardez. Je dis, non, si tu le sais. Je dis, si tu sais ce que tu dis, c'est que tu n'es pas trop idiot. Mais tu continues de m'allumer et tu continues de me donner la route pour aller m'allumer. Et moi je continue de te donner la route par façon que tu es pour aller m'allumer. Si toi tu n'es pas fatigué de me donner la route, moi, je n'ai pas fatigué de t'abandonner. Pour que tu comprennes que on peut se voir marié, je peux trouver quelqu'un qui est un tout petit peu plus malin que toi. Et bon, finalement, il a cessé de me demander l'argent. Parce qu'il a compris que j'avais compris, donc il a trouvé que c'était trop grotesque. Mais je veux dire que on peut vivre dans l'humour comme ça. Ça peut dire qu'on peut vivre dans l'humour. Pour ne pas compter de mettre quelqu'un en prison ou au cachot parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Le préalable de la démocratie, c'est qu'on n'est pas d'accord que dans un pays, tous les habitants ne sont pas d'accord. C'est ça qu'il faut. Parce que si on était tous d'accord, il n'y a pas besoin de parler de démocratie. Mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a la démocratie. Et la démocratie permet à chacun d'exprimer son point de vue qui est forcément un point de vue qui est en désaccord avec les autres. Et il a le droit. Chère madame, j'ai été très ému par votre témoignage. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Il y en a qui n'ont pas parlé parce que tout le monde ne peut pas parler, mais je vois ici des dames, des épouses, des gens que j'ai connus de très près. Elles n'en pensent pas moins. Elles pleurent dans leur cœur quand vous avez parlé devant le micro. Et vous toutes qui pleurez, je suis volable. Je suis volable, mais ce n'est pas le fait que je suis vulnérable qui va libérer mon mari. C'est la mobilisation de nous tous pour demander la libération de vos époux. C'est cette mobilisation-là. Pour tous les troubles qui sont survenus depuis 2010, je suis
tête. Je suis la tête. Il y a eu d'autres mouvements, d'autres partis qui sont venus dans cette mouvance-là. Mais aujourd'hui, je suis dehors. Ce qu'on me reprochait, c'est grave. Crime contre l'humanité. Crime de guerre. Assassinat ciblé. Contre des personnes. Même dit que j'avais jeté des bombes sur un marché. J'ai même jeté des bombes sur le marché sec et je n'ai pas où est le marché. Et j'ai même jeté des bombes sur le marché sacaponné à Robo pour tuer des plats. Mais les gens ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas du tout. C'est chez les plats que j'étais à Kenoa. Quand j'ai posé le pays. L'ami de ma mère qui m'élevait, elle est devenue musulmane, c'est une été. Elle s'en va pour mon mari en été. Mais elle s'appelait Kalia. Quand elle est devenue musulmane, elle a épousé musulmane. Et sa fille est née sous cœur, il est à bord. De ma grande soeur. Et je ne vais pas à Gagnon sans passer sur son carré. Qui, au moment où on m'a arrêté, était marié à un jabi, le sabbatisien. Et pendant que j'étais en prison, son mari jabi est décédé. Le footballeur, là, qu'on appelle Keïta. Kader. Mais c'est son père qui a écrit ma politique. Madame Pasqueïta. Du Boba. C'est mon frère. Bon. Et aujourd'hui, je suis marié à une femme blanche. Mais les gens ne savent pas et ne nous connaissent pas. Ils nous jugent. Ils ne nous connaissent pas. Ils nous jugent. Mais j'ai aimé et je vais m'arrêter sur ce point. La dernière partie de la plaidoirie de maître Agathe Barois. Elle leur a dit là-bas, écoutez, nous en Côte d'Ivoire, nous vivons comme dans une cour commune. Dans une cour commune, il y a des portes. Et dans chaque porte, il y a un locataire. Le locataire, il est beau, il est pété, il est droit, il est barré. Enfin, le propriétaire de la cour ne demande pas les nids.
dans une cour commune comme ça, on ne peut pas jeter une bombe sur cette cour commune en disant les jeunes à tuer les bébés. Ou bien les jeunes à tuer les lapins. Mais tu ne peux pas. Parce que tu ne sais même pas quels sont les liens qui sont dedans. La vie, c'est comme le bâtard. On a vu ça aussi. Quand les gens montent dans les bâtards pour aller de Ougon à Djamé, tu ne connais pas les ethnies des gens qui montent. Mais on est rentré dans les bâtards. Quelqu'un ne peut pas jeter une bombe sur le bâtard en disant je veux tuer les gars. Mais tu es ton bouton. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Ici, nous vivons plus unis que les gens ne le croient. Nous faisons nos palaces. Et dans quel pays on peut faire ça? Dans quel pays les gens ne font pas de parole? Nous pouvons même faire des paroles interethniques, ça existe. Nous pouvons même faire des associations ethniques. Tu arrives à Paris, il y a des cafés de Bretons, il y a des cafés de Corse où les gens se réunissent. Pour parler Corse et pour parler de la Corse. Et il y a des cafés de Breton où les gens se réunissent pour parler de la Bretagne. Mais il ne faut pas croire. On est ivoirien. On est ivoirien. Et notre pays nous tient à cœur. Donc, avec Marouan, en prédé comme ça, mais quand tu as fini de prier, je me suis assoupi. J'ai dit, tout est dit. Cette image de la cour commune, cette image du bâtard, c'était ça qui fallait sortir. Elle a sorti. Merci à Gat. Chers amis, courage. Mesdames, courage. On continue la lutte. Je suis avec vous. Quels que soient vos partis, quels que soient nos partis, je suis avec vous tant que vos conjoints sont en prison. Je suis avec vous tant qu'ils sont en prison. Et notre combat, c'est de les sortir de là-bas. Notre combat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais un seul prisonnier d'opinion en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est mon combat aujourd'hui. Quand on aura apuré, quand on aura fini ce combat-là, mes petits frères de Boubé et Baba seront dehors. C'est mes petits frères. Et bon, mais je ne peux pas aller les sortir du poste. Alors, quand on aura fini ce combat, il faudra qu'on ne dise pas que c'est fini. Parce que ceux qui sont exilés sont aussi en prison. Ils sont aussi en prison. Mais j'ai parlé des camps. Les réfugiés, il y a des exilés qui sont pas dans les camps.
en a à Paris, il y en a à Bruxelles, il y en a. J'ai d'ailleurs dit deux mots, le président Ouattara m'a dit deux mots de Soro. Donc, tout ça, ça fait partie de notre combat. Mais les combattants qui viennent, il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Pour le moment, c'est ce qu'on peut sortir par un décret. C'est de ceux-là que je parle pour le moment. Après les autres, je vais monter aussi au créneau pour parler de. Voilà. Pour parler de qui reviennent au pays. Qu'ils soient en France, en Italie. Et ça fait pitié. Quand tu vois qu'il y a beaucoup qui partent en exil aujourd'hui, à travers le désert et la Méditerranée, qui sont Ivoiriens. C'est chez nous que les gens venaient. Aujourd'hui, c'est nous qui partons mourir dans l'eau, mourir dans le désert et mourir dans l'eau. Ça me fait mal. Mais on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Donc, il faut se lier. Et pour le moment, soyons mobilisés pour la libération de vos époux. Je suis avec vous. Assadou, on me rappelle la semaine pour que tout ce qu'on peut faire, on le fasse. Manuel Aka, il faut me rappeler ça. Pour que tout ce qu'on peut dire, là où on parle, là où on rentre, là où on n'entre pas, pour qu'on puisse le dire, parce que c'est la répétition, pour remplir les oreilles de ceux qui peuvent ouvrir les clés des prisons. Il faut que nous remplissions leurs oreilles. Nous remplirons leurs oreilles. Je vous remercie. Merci. Merci. La cérémonie continue un peu. On va prendre place. Il y a juste quelques minutes qu'on va prendre avec la permission de Son Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais appeler, déjà là, Monsieur le secrétaire général du FPI, mais appelez aussi Madame Bonifon, ici, au nom des femmes. Le président Laurent Gbagbo vous a appelé, mais il est très collé à la tradition. Chez nous, quand tu invites quelqu'un et qu'il doit repartir, il faut lui payer son transport. Le président vient de là où tout le monde sait, il ne s'est pas encore bien assis, il connaît les que chacun connaît des difficultés financières et d'autres sortes de difficultés qui vont se dissiper petit à petit. Mais il a tenu à faire ce geste symbolique à l'endroit des braves dames qu'il a invitées. Monsieur le secrétaire général, Madame Bonifon, Madame. Le président, comme il le dit, en France, voudrait faire ce petit geste symbolique pour vous aider à aller visiter vos mères. Et même que ce qu'il avait déjà décidé, l'enveloppe de vos mères.
Merci à vous.